ça pue la mort. J'étais en train de regarder quelle quête j'allais faire pour cet épisode. Et je viens de me rendre compte que c'est le plaisiote. C'est génial. C'est génial. Bon, salut tout le monde, c'est Mentalis. Et aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Monster Hunter 3U. J'espère que vous allez bien. Le plaisiote. C'est un putain de cauchemar, ce mob. Enfin, ça dépend comment on le prend. Mais en principe, c'est un cauchemar. Bon, ça va, il est juste à côté. Enfin, ça va, il est juste à côté. Non, ça ne va pas. Fuyez, il est juste à côté. C'est pas sûr que je pense que caca, là. Ça, je vais le garder pour juste après. Défense plus 1. Ouais, bah écoutez, on est méga défensif. C'est ça qui est bon, pardon. Alors, le plaisiote, c'est un mob qu'on demande de chasser pour accéder justement aux quêtes de rang 2 après la première partie des quêtes MOGA. C'est vraiment pas un mob sympa. Je crois qu'il ouais, il est juste là, quoi. Il est juste là. Regardez ça! Il est là! Oh le moche! Je me casse! Fuyez! Fuyez, pauvre fou! Voilà. Alors. On va essayer de le faire sortir. Il est hors de question que j'affronte là-dessous. Hein. Ça pue la mort. Hein. Nice! Il est marqué, il est marqué. Oh, déjà, il a son putain de rayon de la mort. Aïe. Mais surtout, ne jamais l'affronter dans l'eau. Hein. Si, enfin, faites tout, les amis, pour toujours l'affronter. Mais sur la terre. Alors, déjà, il m'a foutu de mandale. Regardez où en est ma vie. Hein. Comparé avec le drone pourpre de l'épisode précédent. Et pourtant, je vous avais dit qu'il tapait sévère hein, déjà l'ultra. Enfin, imaginez pour lui. Hein. En sachant que j'avais pas upgrade mon armure. Hein. Mais là, ça va encore, il est lent. Et si, là, vous le trouvez vif? Non, non, croyez-moi, il est lent. Il est lent. Parce qu'il peut être tellement plus rapide que ça. Tiens, cherche ça. Oh non, 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 bah écoutez. On va rester là. Il va tenter de nous avoir. Voilà. Donc là, là c'est pas très compliqué de l'esquiver. Voilà, hop, esquive. Vous voyez, juste suffit de faire 2-3 allers-retours comme ça. C'est pas. Ouais, c'est. Je pourrais même me déplacer comme ça que ce serait pareil quoi. Carré en bas. Voilà. Alors bah, attends, on reste là surtout. Voilà. Oh mon dieu, regardez-moi ce swag quand il se déplace quoi. Il est trop beau. Voilà. 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 Aïe. Bon, ça va. Vraiment, il est gentil. Alors, je sais pas si on peut couper sa queue. Jamais testé. Mais bon, en même temps, comment vous. Essayez de, casser... enfin, de couper sa queue, quoi. C'est de la folie, quoi. Ah, il est énervé. Grâce à. Grâce aux deux glands. Ah, ok. Le gland et l'autre.
Non, parce qu'il faut pas oublier que quand on récupère Chacha, il a quand même un casque blanc, quoi. Toujours la petite roue là entre les papates. Aïe. Deux secondes, hein, je me rétablis. La queue. Non mais comment vous voulez choper la queue là? Ok. Aïe. Je m'en fous, pour une patate que je me prends, t'en prends une. Qu'est-ce qu'il fait? Ouf. Oh, le contre de l'absolue limite. Ah, d'accord, il fait ça. Ok, on va se soigner, écoutez. Et vous savez quoi? Parce que je ne voulais pas montrer, on va la tirer dans l'eau. Pour se voir bien descendu. Peut-être les descendre encore un petit peu, non? Bah écoutez, la prochaine fois qu'il ira tout seul dans l'eau, on le suivra, tout simplement. Voilà. Ouf. Coup de chat. Gros coup de chat. J'étais sûr que je m'étais pris là. Regardez ce swag quand il se déplace quand même. Allez, c'est parti pour la mandale. Regardez cette vitesse. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de combat sous l'eau quoi. Oh, j'ai tellement de chance. Vous voyez, il est vif quoi. Et encore pour le moment, heureusement il a faibli, il est lent. Imaginez commencer le combat dessus quoi. Je crois que c'est vraiment pas bon ça. Je vais un peu casser la tête. Ah, je te prends la tête, hein. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais c'était pas trop violent pour moi, donc ça me va. Alors, pas bouclier. Il retombe là. Allons-y, Chacha. Voilà. Oh, il se casse la gueule. Chacha, un piège. Non, pas de piège. Ok, merci, chat. Non, mais sérieux, mais regardez, il est fatigué. Bon, ouais, d'ailleurs, la preuve qu'il est beaucoup fatigué, il fait que se rétamer, mais. Imaginez s'il était pas fatigué quoi. Casse-toi la gueule. Voilà. Heureusement qu'il fait se casser la gueule avec cette attaque quoi. Vas-y, casse-toi encore la gueule. Voilà. Aïe. Bon Chacha, t'avais pas motivé pour un petit piège? Oh, par contre quand il est fatigué lui il bouge pas hein. Ouais, grosse patate. Bon bah ça s'est pas trop mal passé. Au final je crois même que c'est le premier mob sur lequel j'ai pris le moins cher. Bah en même temps vous m'étonnez
Ouais, bon, ok, à partir du moment où on a compris que sur Terre, et surtout entre ses pattes, on risque rien, ça va. Mis à part ses charges, bon, ses charges qui sont facilement esquivables, comme vous avez pu le voir. Mais bon, franchement, moi, c'est un mob, la première fois que j'ai fait, enfin, les premières fois que j'ai fait, parce qu'il a fallu quand même que je reprenne la mission 4 fois. C'est le seul mob sur lequel j'ai autant galéré. Vous avez vu, même la quête d'arène, j'ai réussi au bout de quoi. La deuxième fois. Enfin, la deuxième vraie fois. Après, c'est vrai qu'il y a la deuxième fois vraie où je suis allé, c'était juste pour recheck que la première fois, bah, c'était juste pas. Enfin, voilà, c'était juste pas par manque de skill, mais vraiment parce que ça tapait dur. Et ensuite, bon, vous avez bien vu que. Voilà. Mais lui, vraiment 4 fois, quoi. Et c'est la cinquième fois que j'ai réussi à y arriver, quoi. Ce mob est une horreur. Ce mob est une pure. C'est. Ouais, t'as vu les mobs, les nouveaux mobs là, t'as du mal avec eux? Bah écoute, on va te présenter le pire mob là, possible, et puis tu vas pleurer. Bref, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons looter sur ce Playviot? Une tête, ouh, carrément, nous avons sa tête. Ah oui, alors je voulais vous dire que c'est un mob plus, évidemment alors. Pourquoi je dis évidemment? Tout simplement parce que les mobs qu'on affronte là sont force obligatoires, enfin sont gradés dès le départ plus. Voilà, c'est vrai qu'il y a un grade au-dessus, mais on verra ça une autre fois. Bref, les amis, c'est là-dessus que nous allons nous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, que la vidéo vous plaise. Et n'hésitez pas non plus. Ah bah non, c'est tout. Allez, salut tout le monde!